L'Afrique regorge de talents musicaux exceptionnels qui ont su conquérir le cœur du public et accumuler une fortune considérable grâce à leurs articles. Dans un continent où la musique est profondément enracinée dans la culture et où les artistes ont un impact immense sur la société, il est fascinant d'explorer le parcours des 10 artistes musiciens les plus riches d'Afrique. Pour commencer, si c'est ta première fois que tu tombes sur ma chaîne, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune autre information. Like également la vidéo pour me soutenir. Merci, on commence. En 10e position, on retrouve Yemi Alad. C'est la première femme à apparaître dans le top des artistes africains les plus riches. Quand Yemi Alad a remporté le Peak Talent Show en 2009, savait-elle déjà qu'elle deviendrait l'une des plus grandes artistes du continent africain? Ou alors elle s'en est rendue compte après le succès de son single, Johnny? En tout cas, elle en a sûrement rêvé. Yemi Alad a joué dans Global Goal, Unite for Our Future aux côtés de Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Jennifer Hudson, Coldplay, Usher, Justin Bieber, Kavo, Christine and the Queens et Chloé X-Al. Sa musique a eu une influence dans de nombreux pays africains et dans le monde, car elle est acclamée « Mama Africa » pour sa polyvalence dans l'utilisation de différentes langues et tenues africaines dans ses chansons et ses vidéoclips. L'intervalle pour la valeur nette de l'artiste est de 1,3 à 5,1 millions de dollars, pour une moyenne de 7 millions de dollars. En 9e position, on retrouve Fally Ipupa. Auteur, compositeur, interprète congolais, danseur, philanthrope, guitariste et producteur. Ça fait beaucoup de cordes à l'arc de ce fils de l'Afrique. Cela permet aussi de tirer sur un maximum de cibles et Fally Ipupa sait comment faire mouche. L'ancien membre du Quartier Latin International a pris l'ascenseur de la célébrité avec « Droit chemin », son premier album solo publié en 2006. Fally réussit à en vendre 100 000 unités puis remporte le Kora du meilleur artiste ou groupe d'Afrique centrale. En 2010, Fally Ipupa a remporté les MTV Africa Music Awards 2010 de la meilleure vidéo pour « Sexy Dance » et du meilleur artiste francophone. Il a remporté les prix urbains du meilleur artiste africain. Fally Ipupa a été nominé dans la catégorie Best Live Act au MTV Africa Music Awards 2014. Il a sorti un album intitulé Power, Causa Leka, en 2013. Il s'est connecté avec le public américain avec Chaise électrique, une chanson d'amour bilingue mettant en vedette l'ancienne chanteuse de G-Uni Olivia. La fortune de Fally Ipupa déchaîne les passions et serait entre 3 et 22 millions de dollars, pour une moyenne de 13,6 millions de dollars. En 8e position, on retrouve Rudebois. S'il y avait une voix qu'on aimait particulièrement entendre au sein du duo Pesquare, c'est sans conteste celle de Paul. Peter représentait plutôt les pieds. Aujourd'hui, il répond au nom de scène Rudebois et sa carrière solo est l'une des plus belles du Nigeria et d'Afrique. Après la dissolution de Pesquare en 2017, les deux membres du groupe ont cherché des carrières musicales distinctes. Rudebois a sorti ses premiers morceaux en solo intitulés « Fire Fire » et « Genji Kek » en 2017. Sa chanson « Reason With Me » a généré les vues les plus élevées sur YouTube en Afrique en 2019. Il est le fondateur de Fire Department INC, une maison de disques qu'il a créée en 2019. Le chanteur du groupe Pesquare vaut entre 15 et 16 millions de dollars selon la toile, pour une moyenne de 16 millions de dollars. En 7e position, on retrouve le Burna Boy. Damini Ebunoluwa Ogulu, né le 2 juillet 1991, connu professionnellement sous le nom de Burna Boy, est un chanteur et rappeur nigérian. Il est l'un des plus grands artistes africains. Quand votre page Wikipédia commence de la sorte, c'est probablement que vous méritez d'être considéré comme un des artistes africains les plus riches. Son aventure vers la gloire a débuté en 2012, année où il s'est fait connaître avec « Like To Party », le premier single de son premier album studio L.I.F. En 2017, Burna Boy a signé avec Bad Abbey Atlantic Records aux États-Unis et Warner Music Group à l'international. En 2019, il a remporté le prix du meilleur acte international au BET Awards 2019 et a été annoncé comme artiste Apple Music Up Next. C'est aussi l'année de la sortie des African Giant, un album a fini de confirmer son statut de roi de l'Afrobeat. La preuve, il a remporté l'album de l'année au All Africa Music Awards 2019 et a été nominé pour le meilleur album de musique du monde au 62e Grammy Awards annuel. Le poids financier de Burna Boy vaudrait entre 3,5 et 20 millions, pour une moyenne de 20 millions de dollars. En 6e position, on retrouve Peter Okwa. Vous avez la nostalgie du groupe Pesquare? Nous aussi, mais pas Peter Okwa.
le frère jumeau de Paul roule en solo et ne montre aucune envie de revenir en arrière. Avec près de 20 ans de carrière derrière lui, ce pionnier de l'afropop est un candidat plus que sérieux pour une liste des artistes africains les plus riches. Entre 2003 et 2014, Pesquare a lancé 6 albums, sans compter Greatest Hits qui est une compilation sortie en 2013. Plusieurs des chansons qui les composent ont rencontré un succès international. Money Easy, Shop My Money ou encore Personally ont permis d'inscrire Paul et Peter dans le panthéon des plus grands musiciens du continent. Après le démantèlement du duo en 2017, Peter s'est attelé à faire mentir tous ceux qui lui assuraient l'échec via des compétences de danseur, chanteur et producteur. Ses premiers singles, For My Head et Cool It Down, sortis en 2017, lui ont donné de l'élan. Un an après, a collaboré avec Nyanda de Brick et Lass sur une chanson intitulée Walkie Walkie. Au sein de son label P Classic, on trouve Digi Switch, un célèbre DJ et activiste nigérian. Le danseur du groupe Pesquare a une valeur nette comprise entre 9,8 et 66,6 millions de dollars, pour une moyenne de 25 millions de dollars. En cinquième position, on retrouve Wizkid. Le quartier populaire nigérian Ojulegba est aujourd'hui l'un des plus célèbres d'Afrique. Il l'est devenu grâce à Ayodeji Ibrahim Balogun, que le monde entier connaît en tant que Wizkid. Le rappeur est aujourd'hui une superstar, digne de compter parmi les artistes africains les plus riches de 2022. Son ascension vers la gloire a commencé en chantant à l'église à l'âge de 11 ans avant de collaborer avec Monsieur I dans le film primé Fast Money Fast Cars en 2009. Il a pris ses marques avec Ola At Your Boy en 2010 et a depuis remporté de nombreux prix, parmi lesquels le BET Award for Best International Act Africa en 2012 et MTV Europe Music Award for Best Worldwide Act. Il est respecté par les plus grands musiciens américains qui le sollicitent pour ses compétences de chanteur et producteur. Il a coécrit et coproduit One Dance, le hit de Drake et Soxan. Il fréquente et collabore avec Akon, Chris Brown, Rihanna, French Montana, Trey Song, Tini Tampa ou encore Well. Alicia Keys, Swizz Beatz et Kylie Jenner ont dansé sur ses chansons. Les articles sur sa fortune la situent entre 4 millions de dollars et 63 millions de dollars, pour une moyenne de 30 millions de dollars. En quatrième position, on retrouve Black Coffee. Il a travaillé avec Alicia Keys sur un remix de In Common, a sorti un remix de Superman avec Drake et même les superstars du R&B Usher et John Legend apprécient son talent. Il fréquente des cadors comme P. Diddy. Black Coffee est le premier Sud-Africain à remporter un BET Award. C'est sans compte les South African Music Awards et Digi Awards qu'il a emmagasiné. Le poids en argent de Black Coffee est évalué entre 1,5 et 65 millions de dollars, pour une moyenne de 50 millions de dollars. En troisième position, on retrouve Don Jazzy. Comme de nombreux artistes, Don Jazzy, de son vrai nom Michael Collins Ajray, a commencé à jouer de la musique lorsqu'il était enfant à l'église avant de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre sa carrière. Là-bas, il a été, tour à tour, agent de sécurité, guitariste dans un groupe et producteur de musique. Des débuts vers une place parmi les artistes africains les plus riches. Aux côtés de son partenaire de l'époque Dbange, il y a produit un album d'afrobeat que leurs compatriotes ont apprécié à leur retour au pays. Ses talents d'entrepreneur, de producteur et d'interprète de musique l'ont hissé au sommet de la scène artistique du Nigeria. Don Jazzy est un artiste primé à plusieurs reprises et dirige un label à succès, Mavin Records, qui a révélé des stars comme Dr.SID et Tiwa Savage. Sa valeur nette est estimée entre 50 et 100 millions de dollars, pour une moyenne de 60 millions de dollars. En deuxième position, on retrouve Akon. Cet homme est du niveau des plus grands. Il n'a absolument rien à envier à Michael Jackson, Lady Gaga, Gwen Stefani, Lil Wayne, R. Kelly ou encore Eminem. Et la réciproque n'est pas forcément vraie pour tous. Ce musicien légendaire est aussi un entrepreneur à très grand succès. En 2001, il avait dépassé la barre des 35 millions d'albums vendus dans le monde. Plusieurs fois nominé aux Grammy Awards, il compte à son actif des tonnes de récompenses, des dizaines de hits dans le Billboard Hot 100 et une fanbase Facebook de 53 millions de personnes. Il a sorti des singles qui ont dominé les charts comme Smack That et Lonely. Ses maisons de disques florissantes ont aidé à lancer les carrières de Lady Gaga et de T-Pain, entre autres. Le chanteur et producteur a été répertorié par le livre Guinness des records et est également devenu le premier artiste solo de l'histoire à verrouiller à la fois les places numéro 1 et numéro 2 sur le Billboard Hot 100. Sa fortune est évaluée entre 80 et 120 millions de dollars, pour une moyenne de 100 millions de dollars. En première place, on retrouve Youssou N'Dour. Il y a les artistes africains les plus riches et il y a l'artiste. En 2004, le magazine Rolling Stone l'a décrit comme « peut-être le chanteur vivant le plus célèbre, au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique ».
simplement pour dire que Youssou N'Dour peut être utilisé pour illustrer le mot légende dans le dictionnaire. Youssou N'Dour fait sans doute partie des artistes africains les plus riches, mais il a démenti les 145 à 150 millions de dollars qui lui ont été attribués par le web. Pour les besoins du classement, on retient une moyenne de 147,5 millions de dollars. À l'instar de tous les autres, c'est juste pour pouvoir lui donner un rang. Voilà, c'est la fin de ce top 10. N'oublie pas d'écrire le nom de ton artiste préféré dans l'espace commentaire. Ceci me fera plaisir. Merci, à la prochaine.